Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bonne année 2020 à vous tous et à vous toutes. En espérant que ces fêtes soient bien passées, que vous n'avez pas trop mangé. Et bien, aujourd'hui, première sortie de l'année. On va aller faire un nouveau parcours toujours dans les Bois Noirs. Petite sortie. Je pense que ça va pas être trop du lourd, mais on va voir. Histoire de se remettre en condition parce que on a bien mangé, on a bien bu. Il faut évacuer un peu tout ça. Alors, eh ben, on va aller voir si ces sentiers sont sympas et que ça soit pas trop compliqué. Aujourd'hui, eh ben, il caille vraiment. On a moins 4 à peu près, un ressenti de moins 4. Alors, ouais, ça gèle. Mais bon, c'est comme ça. Il faut continuer à faire du sport. Voilà, eh ben, moi, je suis déjà dans mes chemins. Eh ben, je vais vous embarquer dans cette première sortie 2020. Allez, go! On va y aller piano piano aujourd'hui, hein, pour nous en forme. Putain! Oh. Oh putain! Oh. Bon ben, premier casse-gueule de l'année. L'année commence plutôt pas mal, on va dire. Ouah. Putain, je me suis broyé une couille. Allez, montez. Putain. Oh merde, pas ma journée. 2 km. Première petite chute sans gravité. Montée technique. Obligé de mettre le pied à terre. 2020 commence bien. Sur les chapeaux de roue. Les 4 premiers kilomètres sont déjà ardus. Je pense que j'ai bouffé trop de foie gras. Ou j'ai bu trop de canon. Il faisait moins 4. Mais là, je suis déjà en sueur. Impeccable. 2020 commence bien. On se perd. Allez, on va se tester là-dedans. Ce que je vois, c'est qu'ici, il y a encore pas mal de parcours à découvrir. Je vais mettre une lunette là parce que j'en prends plein la gueule. Je vois rien. Une petite seconde, hein, je mets les lunettes. Ça va mieux comme ça. Ouh. Allez. Ça réchauffe les bras. Hein. Wow. Ah,
Bon, ben, que vous dire sur ce début de sortie. On est à 10 km. Alors, bon, il est monté un peu technique, mais pour l'instant, franchement bien. Bon, grave mal au bras, ça c'est clair. Mais bon, ça va être sympa. Par contre, aucun balisage, je sais pas où on va. On verra bien. Allez, on est reparti. Bon, ben, je vois qu'il y a des chasseurs blancs. Je vais faire tomber dessus. Bonjour. C'est gras. Bien gras là. Là on voulait du sale, on a du sale. Ah putain, c'est bien gras. Du chasseur, putain. Je ne sais pas comment j'ai mal au bras. Et puis, hop là. C'est pas poli cela. Je n'aime pas les végétistes. Ah, il est toujours dans le gras. C'est du gras, c'est du gras ici. Hein, c'est impeccable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce boulot. On descend là dans cette boue franchement énorme à refaire. Je connaissais pas ce coin et vraiment bien. C'est cool, ça fait du bien. On a bien fait de choisir ce chemin là. On a dû monter un petit moment. Ça commence à se gâter. On peut pas avoir fait de la descente. C'est pas possible. Allez, on se retrouve en haut. J'appuie mes jambes plus. 20% de dénivelé. Oh, oh, c'est la panique. Là, c'est du D+. Impressionnant. Ah, j'arrive même pas à retrouver mon souffle. Tellement que c'est dur là. Ah, c'est la mamie cartouche. Petit point sur cette montée. On est toujours dedans, là, je vais juste mettre le pied à terre pour boire un coup. J'arrive pas à boire en pédale. Un peu plus de 22% de dénivelé, d'un coup sec. Je vous garantis que ça vous met une cartouche, ça vous pète le moral, mais bon. Voilà, par contre je peux tout ce qu'on est. J'espère que je n'arrête pas des 50 000 comme ça, parce que là je pourrais pas tenir longtemps. Et que ça te met des coups de cul, pas possible. Ça remonte encore. Bon bah là ça se calme un peu. Ça y est, on est toujours dans une montée, mais bien moins forte que ce qu'on vient de faire. Ça m'a bien pété les jambes. Pour la première de l'année, je pense qu'elle est pas mal. Mais bon, sinon, franchement, pour l'instant, bah, le parcours, pas mécontent d'avoir trouvé ça. Et, de la descente,
la belle montée, hein, ça c'est pour les grosses cuisses. Et puis des beaux sentiers, assez larges, assez roulants. C'est sympa, c'est cool. On aime ça. Bon, allez, on continue de grimper. C'est pas fini. Regardez en face ce qu'on a. C'est pas fini. Bon, ben, j'ai parlé vraiment trop vite. Je disais que ça se calmait. Et en fait, ça se durcit encore plus. Je sais pas si c'est ça se durcit ou si c'est moi qui ai plein dans les jambes là. Ça sert à rien. Mais bon, on est là pour transpirer. On est là pour en chier. Et bien, on en chie. Et puis c'est tout. Et ça grimpe. Et ça grimpe, et ça grimpe. Un petit VAE serait pas mal. Petit ressenti à chaud. J'ai du mal à la fin de la montée, j'ai envoyé une autre un peu plus loin. Ben, le ressenti que je peux vous dire, ben, c'est que c'est vraiment que ça pique, ça fait mal. Il va falloir bosser cette année 2020 pour s'améliorer dans ces montées, faire tourner les jambes plus vite, s'améliorer, faire un peu de route aussi, un peu de route, un peu de gainage, tout ce qu'on n'aime pas mais qu'il faut faire. Bon, ben, on continue, hein, parce que on n'est toujours pas rentré, on sait toujours pas où on est, mais bon, faut continuer. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, ça y est, on est sorti de ce chemin, on retombe sur une route. Ça va faire du bien, je peux vous le dire, parce que là ça commençait vraiment à piquer sévère. Ça y est, là on revient un peu. Petit bout de chemin encore sur la route, on fait le tour, on va faire le chemin, on va tester. Nickel. C'est la fin de cette première sortie d'année 2020. Du lourd, du dur, des grosses montées. On est là pour ça. De toute façon, cette année, j'ai décidé de m'améliorer, de perdre du poids. Alors, pas le choix, on va passer par là. Voilà, et ben, oublie pas de partager cette vidéo pour me motiver, de liker, de laisser des commentaires, de me suivre sur ma page VTT avec l'Auvergnat sur Facebook. Et de me suivre sur Strava. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et faites du vélo. À la semaine prochaine. Salut.